Théo, tu emboîtes le pas, tu avances, suivi de près par tes camarades. Que fais-tu donc? Alors que tu vois le paysage se déformer sous l'énergie. Oui, dis-moi. Je hurle, limite en utilisant ma présence, si je peux mettre non, ça servira à rien en fait. Je dis, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui se passe? Fais-moi, s'il te plaît, un test de perception. Le mec, il sait tout ce qu'il y a dans la pièce. Il sait que la cocaïne est planquée dans les chiottes. Il sait sous quelle latte on peut trouver les CD, DVD gravés. Le mec, il sait tout. Le gars, c'est le drive-by, quoi. Tu sens arriver, avant de le voir, un coup de rapière qui vient exactement de là. Je l'ai esquivé avant que le mec pense à faire un coup de rapier. Ça y est, les mecs, on s'est fait. Théo est un Jedi. Il a vu le coup avant. Tu mets le bouclier au bon endroit par instinct. La pointe de la rapière fait une entaille le long du bouclier et il se positionne en défense et recule. Après, Il a servi ce bouclier. Exactement. C'est simple. C'est-à-dire, même si j'avais fait un échec simple, j'aurais pris le coup quand même. Mais il faut savoir que, comme c'est un coup critique, Théo, l'action vient de se passer au ralenti. C'est-à-dire au ralenti, ouais. T'as vu la pointe, les étincelles et tout, c'était Michael Bay, hein, c'est sublime, moi je l'ai vu. Tu as paré l'attaque, donc tu as le bouclier qui descend, et tu adresses un regard froid, haineux, c'est satisfait. Toi. Tu as tué cet enfant. Je pense qu'on peut arrêter la saison là, toute l'intrigue est levée. Ah ouais, là c'est Star Wars. Je vais te le faire payer. Ah, c'est vous. Eh bien, vous avez tardé, hein. Mais on va finir le travail. Allez. Tu cours cela, non? Vas-y, qu'est-ce que... Alors, attends, ça, honnêtement, de toutes les phrases de duel, c'est... On va finir le travail, là. Allez. C'est la meilleure phrase d'intro de baston que j'ai jamais entendue. Tu cours sur l'oreille? Non, mais c'est ça, tu mets ça dans Street Fighter, quoi. Wadashimaru, je veux dire. Allez. Tour de table du monde. Grand Lake. Oui. Que fais-tu? Sachant que tu es derrière Théo, donc en l'occurrence Théo va plus ou moins agir en même temps que toi. Oui, mais c'est volontaire. Hein, je voulais laisser Théo agir en premier. Donc déjà. Donc on commence le tour de table par Théo. Ouais, je pense que ce sera mieux parce que en fonction de la façon dont il engage, j'engagerai ou non le gars qui est avec lui. Très bien. Théo, que fais-tu donc? Je vais me déplacer par là, de manière à ce que lui reste orienté, parce qu'il va, je suppose qu'il va me garder vers moi. Du coup, en fait, en me déplaçant par là, tu vois, de manière à le garder en face, toujours en étant en joue, évidemment, pour essayer contre-attaque, de manière à le placer dans... Ouais, de manière à ce qu'il offre son flanc, voire un morceau de son dos à Grunlek. D'accord, bien, t'orientes bien le boss. Tu veux qu'il se retourne trop. C'est ça, c'est exactement ça. Comme un bon tank. Parfait. C'est ça. Bien. Des fois qu'il fasse des attaques en cône, tout ça. Ouais, voilà, s'il clive comme ça, tu vois. En même temps, il est armé de sa main droite, pas de la gauche, donc c'est une bonne strat. Malheureusement, c'est pas le bon angle, mais c'est un bon début. Très bien. Tu te positionnes. Lui, il change de main avec sa rapière. Il jongle un peu avec. Il regarde le sol tout en adressant... à ton attention, un regard en biais, plutôt satisfait, plutôt là. Il jette un regard un peu en arrière. Et la personne qui est ici... Oui. Je ne serais pas aussi simple à tuer que les petites filles.
principal, c'est de le croire. Ou je ne sais quoi. Mercenaire ? Paladin. Inquisiteur. Et votre futur assassin aussi. Oh, prétentieux en plus. Ouais. Donc, le chevalier qui est ici, il t'avait adressé un regard quand tu es entré dans la pièce, Théo, et il élève la voix. Ne le laisse pas approcher. J'y retourne. Finis le travail. Et si tu dois passer à l'étape supérieure, n'hésite pas. Ils ne doivent pas s'approcher. À ce moment-là, il y a des bruits de chaînes derrière lui. Les chaînes s'animent, celles qui sont ici. Et il les tire en arrière. C'est assez étrange, vous ne savez pas trop si c'est lui qui se déplace sur ses jambes ou si c'est les chaînes qui le tirent en arrière. Il vous regarde tout en allant vers l'arrière, vers les escaliers qui sont ici. Des escaliers qui vont vers le sol, on est d'accord. Enfin, qui s'enfoncent dans le sol. Avec plein de sang. S'il lui a dit, n'hésite pas à passer à l'étape supérieure, c'est peut-être qu'il a une forme 2 ou un truc comme ça. It's not even my final form. Le problème, c'est que là, on n'a pas 5 minutes pour mettre fin au combat. Il veut nous empêcher d'avancer vers lui. Donc avancer vers lui, c'est ce qu'il veut pas. Donc c'est un début de strat avec lui là-bas. C'est un début de strat. Mais attends, j'ai une question. Ces escaliers là, même si je peux pas les voir, ils descendent ou ils montent? Ils montent. Ils montent. D'accord. Très bien. Ils sont tous suintants de sang. Enfin, les chaînes sont suintantes de sang. J'ai l'impression. Ils sont le sol. Sur le sol, il y a des gouttes de sang et du sang. Il y a en abondance et il semble provenir, Shin, du corps du chevalier lui-même. Sur ses jambes, il y a des gouttes de sang, comme si c'était passé quelque chose, comme s'il avait subi des blessures, mais pas des blessures d'attaque, c'est-à-dire ce ne sont pas des contusions, c'est du sang apparemment qui vient de son torse, que tu peux entreapercevoir entre la cape qui s'en trouve légèrement. Tu sais pas trop, il y a une armure, tu n'arrives pas trop à distinguer ce qu'il y a sous son épaisse cape sombre. D'accord, très bien. Très bien. Prochain à agir, donc c'est Grand Lake. Il a peut-être quand même une attaque, Théo, non ? Il se positionne, en fait. Je me positionne, j'utilise mon tour pour bien me positionner, pour que toi, t'aies un bon angle, en fait. Là, il se tourne à la Monkey Island, comme ça. C'est ça. Que des insultes. Ok, très bien. Bah, je vais rusher le Billy avec la rapière et je vais donner un coup de poing avec tout ce que j'ai en moi. D'accord, tu vas faire une charge. Très bien. Grand Lake, tu décides de charger donc l'homme à la rapière, étant donné que Théo, de son côté, l'oblige quelque part à prêter le flanc. Tu fonces, tu charges. Je peux t'accorder, si tu veux, un malus à la charge, et en échange de ce malus, tu as un bonus aux dégâts si tu touches. Est-ce que D'accord. Tu veux ce deal ? Habituellement, quand on fait une charge, on a plutôt un bonus, mais ça dépend. Malus de combien, bonus de combien sur les dégâts ? Un bonus de 2 dégâts, un malus de 10% à l'attaque. Et sa charge, je l'ai positionné pour qu'il soit avantagé pour Grand Lake. Et sa charge initiale, oui, mais en termes de défense pour l'attaque, ça ne change rien. Sa charge initiale lui donnerait un bonus de combien ? Sa charge initiale. Enfin, c'est pas une attaque juste en se tenant debout, il fait déjà une charge. Est-ce qu'il surcharge, comme tu as dit ? Il aurait éventuellement un bonus pour le faire, pour le déstabiliser en plus grâce à la charge. D'accord, c'est bon. Au-delà de ça. D'accord. Donc, on va tenter le tout pour le tout. Hein, à la base, j'ai 60 plus 20 de pugilat, donc 80 moins 10, ça fait 70. 70, c'est une probabilité pas mal. C'est beau. Ça se tente. Vas-y. On y croit. Oh putain. On y croit. Oh putain. On y croit. 60, oh, ça passe, bravo, c'est magnifique. Bravo. C'est magnifique. Putain, bravo. Tu fonces, le bras en avant. Qu'est-ce que tu dis au moment où tu tends le bras pour lui asséner le cou avec ton bras métallique ? Ça, c'est pour la dernière fois. Ah oui, c'est pas mal. Donc je te laisse dépasser ton token jusqu'ici. Tu lances un des deux 6, s'il te plaît. Je m'attendais à Kowabunga, mais c'est pas mal. 4. Je dis ça parce que je suis vert. 12 gouilles. Vas-y, le mec. Grand-Lec. Alors, attends, faut que je retrouve. 1. Ouh. Mais bon, plus 2, ça fait 5 de dégâts. Quand même. Ça fait 5 de dégâts. Bon. Ah, un peu la tristesse après une action comme ça, mais...
Oui, mais tu as réussi à optimiser avec le peu de possibilités que tu avais ici. Tu as charlé, tu lui as donné un coup de poing dans le flanc, t'entends un bruit sourd, un craquement, mais pas un craquement d'os, un craquement assez étrange, peut-être même un craquement minéral. De gemme. Dame. Il a une ceinture de saucisse d'explosif. Il est propulsé en arrière de 2 mètres. Ici, il accuse de coup. Il lâche un bruit. Il ne tombe néanmoins pas. Et c'est vrai, ça regarde mauvais. Ah bon. C'est comme ça, 2 contre moi. Alors que l'autre fois, j'avais mon binôme que tu as mis de côté. Théo, le paladin, le courageux paladin. Ouais. Maintenant, t'as plus de petites filles pour te protéger. Je les ai tous tuées. Il les a toutes tuées, toutes. Bien. De ton côté, Bob, que fais-tu ? De mon côté, eh ben, je vais commencer à me déplacer et me retourner pour enfin voir de quoi tout ce bordel vient de s'agir. Parce que moi, je marchais à reculons hein, jusque-là. Hein. Et enfin, si je peux m'avancer, tu me dis à peu près jusqu'où je peux m'avancer. Dans ce sens-là, c'est possible. Si je peux me poser jusqu'à peu près là, environ. Oui, non, peut-être. En mode, what the fuck is this? Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas tolérable tout ça. Tu vois ici, donc, tu vois ici le chevalier qui tire comme si, en fait, tu vois, c'est ces films japonais de fantômes où les créatures sont presque sur la pointe des pieds et sont en lévitation. Donc, cette personne est presque propulsée d'une énergie extérieure et il est tiré vers cet escalier ici qui monte avec les chaînes qui sont animées. Il vous regarde sûr de lui. Tu sens vibrer tout l'espace d'une énergie psychique qui presque te ferait t'enivrer. Et devant toi, tu prends toute la mesure de la situation. Tu as entendu parler de ces puits, de ces énergies, de ces choses trop rares pour être étudiées, mais suffisamment présent pour être connu, ces puits déstructurels, ces puits d'énergie, de vide, qui aspirent l'énergie dans l'espace et qui l'amènent vers nulle part. Le demi-diable qui est en toi s'enivre de cette situation car il voit tout autour du puits se matérialiser cette énergie. Tu sais que tu pourrais, en t'approchant du puits, peut-être même puiser à l'intérieur, peut-être même te faire réveiller des talents que tu ne soupçonnais pas. Ça t'a traversé l'esprit, mais bon. Ah, oh, je sais que c'est le démon qui me parle, mais j'ai une question, sincèrement. Non, le démon qui te parle, finalement, c'est toi. Ah bah oui, mais il me susurre des choses à l'oreille. Il est là, voilà, je l'entends très bien. Mais dans l'idée... Super creepy. Ah bah oui, mais dans l'idée... Mais c'est délicieux, hein, moi, je m'en délecte. Dans l'idée, par contre, tu dis donc que ça absorbe... Parce que je connais peut-être un peu sur le sujet, même si c'est pas étudié, il a dû avoir un bouquin, n'importe quoi. C'est pas un truc dont tu ne parles pas à l'Académie de magie. Ça ne se fait pas. Dans l'absolu, donc ça aspire l'énergie magique, c'est très bien. Est-ce que ça veut dire qu'autour du cercle, l'énergie est agglutinée avant d'être aspirée et de tomber? Comme finalement un drain oui, recouvert de... Oui, l'énergie se colmate quelque part autour, ralentit. Il y a moyen de puiser dans cet anneau, pas dans le trou, parce que tu ne vas pas prendre l'eau dans le drain. Tu sais pas si c'est pas un truc maléfique, s'il faut, ça va te faire sortir le démon. Théo, tu es occupé à combattre, tu peux pas essayer de le persuader de quelque chose qui est bénéfique pour lui, certainement. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que je sais que c'est terriblement dangereux, mais j'ai plus de mana. Tel qu'on est, j'ai plus de mana et ça pourrait être une source infinie de mana ou du moins décupler la puissance de mes sorts et ça pourrait très vite mettre fin à tout ce bordel. Cependant, aussi enivrant que ça paraît, je suis quand même pas suffisamment con pour pas me rendre compte que c'est quand même un peu un piège à con parce que c'est évident, tu vois, c'est le tu secoues la tête en disant je pensais que c'était un puits qui absorbait la magie, je veux dire, tu peux pas te mettre à côté avec une paille et aspirer. Non, mais réfléchis, c'est juste que imagine que l'air ambiant soit de l'air avec l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'humidité, mais tu peux pas y toucher. Mais que autour de ce drain, de ce bouchon de baignoire, il y ait de l'eau, justement, parce que toute l'humidité ici est concentrée. On est si sûr que ça. Je peux quand même lui gueuler tout en combattant. Oublie pas, si tu te transformes en démon, c'est moi qui suis censé te tuer. Bah, dans ce cas, je pose la question au MJ, est-ce que mon explication semble à peu près correcte ou est-ce que c'est complètement foireux? Il y a un risque indéniable, Bob. Bien sûr. Et si je tombe dedans, c'est sûr que là, c'est le bordel.
Mais attention, c'est le deal. Là, si tu te transformes, moi, je te fais un 10-6 Sparta, je te pousse dedans. Ouais. Mais... à la foutre. Ah. C'est gentil, de telles preuves d'amitié, ah, ça fait plaisir. Je pense que tu peux tenter entre nous. Non, cependant, pour l'instant, je vais m'en abstenir. Pour l'instant, tout de suite, je vais m'en abstenir. Je vais tenter de faire le tour par ici. Hmm. Par ici, pour déjà avoir une vue plus directe. Tu passes à côté, fais-moi cependant, s'il te plaît. Oh, un test de mental. Un test de volonté, j'ai 70, avec, je crois. Avec. Bon, allez, un petit début de malus de 10%. 10%, donc 60. Je suis très sympathique. 65. 77 oh, oh, ça passe pas. Jambadou, c'est ça. J'ai la tête de Apu dans Aladdin, tu sais. Apu, non. Est-ce que je peux m'approcher, du coup? Évidemment, tu peux t'approcher. Oh, délicieux. Tu t'approches, tu lèves les yeux au ciel un peu, et il y a cette énergie, tu sais, qui est sous forme de condensation brumeuse qui rentre dans tes narines. Un peu comme dans le trailer de Deadpool, quand il renifle la poudre, tu sais, le bout de ses canons. Et tu t'enivres de cette énergie et tu récupères un point de psy. Oh, c'est délicieux, vraiment. Hein, Ah oui, mais absolument. Oh, et donc, de lécher le bord. Hein. Tu t'en rends pas compte, tu sens le vouloir, tu es ici en fait. Si près, j'ai déjà fait un pas. Tout à fait. L'autre Hannibal attaché avec des chaînes et l'autre il smoke weed every day, quoi. Grand Lake, tu es ici. Chin, tu es là. Bob, tu as récupéré un peu cette psy enivrante. Délicieux. Tu es vraiment persuadé à peu près à 2000% de pouvoir faire mieux. Alors, Chin, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai dû avancer parce que j'étais devant Bob, j'étais pas retourné, donc normalement, je vais être à son niveau. Tac. Ouais. Et moi, j'aimerais prendre à partie le gars là-bas, si c'est le fameux Hannibal machin. Personne lui a adressé la parole, tout le monde veut régler ses comptes ou sniffer de la magie, mais merde. Qu'est-ce qu'il fait avec ses chaînes? C'est quoi ce bordel? Et justement, je lui pose la question, je dis, qu'est-ce qui se passe? À quoi rime tout ce rituel à la con? Dis donc, soyez poli. Il continue d'être traîné par les chaînes vers l'arrière. Parce que visiblement, il s'est déplacé. Ouais. Oui, il s'est déplacé, évidemment. Cela doit cesser, l'emprise des dieux et des diables sur notre monde. Cela doit cesser. Il se croit omnipotent. Il se croit au-dessus des hommes. Ils ont investi notre monde. Et cependant, ils oublient que ce n'est pas le leur. Je vais leur retirer cette satisfaction. Je vais leur retirer ce semblant d'autorité. Et ils comprendront dès lors ce que c'est que d'être de simples mortels. Et vous aussi, vous comprendrez ce que c'est que d'être dépossédé de votre psyché. Ça va, je suis un humain déjà. Oui, mais tu utilises de la mana comme tout ouais, le monde. Ouais, pas de psy. Je suis le seul humain dans le groupe. Ah bah écoutez, ça explique pas mal de choses, comme quoi cet enfoiré vient de nous dire. Ça explique que les impulsions mentales qui nous faisaient et qui nous donnaient mal à la tête à tout le monde et qui faisaient en sorte que notre ami semi-élémentaire parte en sucette, que même le loup druidique mette la tête entre ses packs et que les deux pecnos sans mana se tiennent quand même un peu la tête en signant du pif, c'est que. Il veut détruire les dieux, tout simplement. Non, il veut détruire la magie. De détruire la magie purement et simplement, du coup ça détruit les dieux, les démons, les farfadets, les lutins, les licornes et toutes les salopes. Excusez-moi, mais où est Bragg? Il est à l'entrée avec Eden, ils sont en train de jouer à la balle. Tu sais, contre la balle, ils balancent la balle contre le mur, pop, pop. Avec le frère, je lui dis, le succès. Toi, tu as avancé, il y a Eden qui, elle, est très méfiante et relativement apeurée. Il va falloir la rassurer parce que là, elle est dans une situation de stress qui est absolument inédite, avec les impulsions psychiques qui résonnent à travers toute la pièce. Elle est après tout qu'un simple animal. Hein. Donc, elle avance, mais pas à pas. Bragg de son côté, qui est en arrière? Toi, Bob, tu es out. Shin, t'es sinon, arrière. J'aimerais le mettre alerte, en joue et le menacer. De... Oui, il a tu es le seul vraiment alerte, Shin. Donc, tu vas me faire un test, s'il te plaît, de perception. Shin, tu me fais un test, oulala, de social, s'il te plaît.
Voilà. Ah, la pire des stats. Non, non, tu vas choisir la pire. D'accord, plus musique. Tu vois ça. D'accord, 45, très bien. 69. Année c'est un joli score. C'est très joli score. Ouais. Tu es en focus. Tu es en focus. Oui, ça change rien du tout. Donc en fait, tu parles, mais t'as tellement un gros accent. Vous devez venir. Tu ne comprends rien, l'autre. En fait. La barrière de la langue, quoi. Un accent du schnorr. Ouais, dis donc, arrêtez le rituel là. Tu regardes autour de toi. Tu es concentré dans ce qui se produit avec le chevalier Vlad. Tu sors ton arc, tu cristallises une flèche, tu le mets en joue. Est-ce que tu veux tirer ? Bah à la base, non, c'était juste pour qu'il arrête tout mouvement. Je veux lui tirer à côté pour l'effrayer, ouais. Pour lui faire un tir de sommation, en fait. Je te fais pas faire de test pour tirer à côté. Ça serait c'est trop cool, dur, tu vas faire un échec critique. Tu tires une flèche à côté. Tu as l'impression qu'il voit la scène comme s'il voyait au ralenti, comme s'il présentait les choses peut-être une demi-seconde à l'avance. La flèche va et va se planter ici à côté. Il a juste un bref mouvement de tête et t'adresse un petit sourire désolé, voire déçu. Bah oui, c'est dans le dos que t'es en train de lui tirer. Tour de table. Ah non, non, non. Il reste l'homme à la rapière. L'homme à la rapière qui analyse la situation, qui vous regarde l'un et l'autre, Grand Lake, Théo, qui te voit avec ton bouclier, Théo, qui voit l'attaque chargée de Grand Lake. Il semble vous compter un peu comme pique-pique collant. Ouais. Il semble hésiter et attaque. Il t'assène un coup, Théo. Fais-moi un test de parade. Il a un il malus se baisse, pété, tend la jambe. Non. Et de toute façon, même si quand même il aurait eu un malus, j'aurais pas eu à te le dire. Bien sûr. Donc, il tend sa jambe, il va vers en dessous, essaie de contourner ton bouclier, fais-moi un test de parade, s'il te plaît, Théo. 58, réussi. Réussi. Tu fais 58, tu dévies l'attaque à la rapière, une nouvelle fois, finalement. Et ça semble l'agacer. Il fronce les sourcils, il semble penser à autre chose, comme s'il préparait le tour suivant. Nouveau tour, Grand Lake, que fais-tu ? Je continue de l'attaquer. D'accord, de la même manière. Le... Oui, de la même manière. On sent la charge cette fois-ci. Mais... Vas-y. J'y vais ? Oui. Allez, on va essayer de faire aussi bien que la fois d'avant. C'est parti. 93. Voilà, ce n'est pas un échec critique. Ce n'est pas un échec critique. On est bien avec nos scores depuis 3 épisodes. Hein. On est pas mal. J'avoue. J'avoue. Donc, tu essaies d'asséner un coup avec ton bras métallique. Il le dévie avec sa rapière, fait un pas de côté, s'approche du puits. Finalement, toi aussi, tu t'approches du puits déstructurel. Ici, vous êtes tous les deux assez proches l'un de l'autre et assez proches du puits. Théo, qu'est-ce que tu fais ? Déjà, en même temps, je vais gauler à Bob. Monsieur Frodon, non ! Parce que là, il est en train de faire des trucs qu'il est pas censé faire. Et j'ai pas envie de le pousser. Tu sais quoi, je vais passer en... si j'essaie de lire entre les lignes, s'il est en train de penser à quelque chose pour le tour suivant, je pense qu'il est en train de passer en posture offensive. Je vais aussi passer en posture offensive pour essayer d'asséner un plus gros coup avant. Ok. C'est bourrin. Tu essaies de lire entre les lignes. En effet, il semble esquisser un plan. Il a quelque chose en tête. Tu te mets en posture offensive. Ouais, je me mets en posture attaque. Offensive. Et hop. 23. Ça passe. Allez, il le pas. Ok. Tu donnes un violent coup d'épée dans sa direction. Au moment où tu assènes ton coup d'épée de haut en bas, il la dévie avec le long de sa rapière et ça tombe au niveau de sa garde. Ça fait plonger, parce qu'il est, c'est qu'une rapière, donc il la fait dévier. Juste l'épée se plante au sol et tu arrives au corps à corps contre lui, relativement proche. Théo, tu viens d'agir, il a détourné ton attaque. À toi, Bob, que fais-tu ? Oh ! Pardon, je suis dans, oui. Je suis dans le... Tu as encore l'énergie qui... que tu humes. Comme un requin qui sniffe le sang, c'est le... Oh, le bonheur, exactement. Le régal, la mana, la puissance, le délice ! Oh, d'un coup d'œil absent, j'aimerais quand même regarder ce que fait Bragg. De regarder derrière nous, juste par hébétitude en mode. Tu me fais un test, s'il te plaît, de social. À moins
10 parce que tu es en mode drogue. Drogue. Social, je suis à 65 si je dis pas de la merde. Affiche sous les yeux, c'est ça? Je vais te dire ça tout de suite. Tu es à 65, exactement. Avec focus, 5 en focus, 70, 70, 70 donc 60. 60. Essayons. Oh, 73, c'est fini. J'en ai rien à foutre, en fait. Mais tant pis, ça c'était juste. Ça, alors, c'était juste je vais peut-être te dire la vérité ou je vais peut-être te fausser l'information, Bob. Ce que tu arrives à traduire sur le visage de Brague, c'est une profonde inquiétude à votre égard. Alors, profonde que fais-tu? Inquiétude. Oui, oui. Il s'inquiète pour la situation. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Et toujours dans mon esprit brumeux de l'échec, si tu dois me donner des fausses infos, qu'est-ce qu'il fait? Chine est une femme. Voilà, Chine est une femme. Les cheveux longs, ça habite tout le monde. C'est pour ça. Mais, qu'est-ce que tu fais? Mais j'aimerais quand même tenter de m'extirper de un petit peu de ce puits, parce que je sais que c'est bon, je sais que c'est très bon, je sais que c'est très très bon. Je sais que j'en ai si très tu restes, même si tu fais un pas de plus vers l'avant. Et si tu restes là, probablement que je te redonnerai un autre point de psy, voire deux. C'est très bien, c'est très bien, c'est très voir bien. C'est... Oh, il triche, le MJ triche, mais on le savait. Non, il faut pas. Est-ce que je peux préparer un sort? Je veux essayer le cercle. Oui. Smoke, oui, devenu. Bon, quand je caste un sort, au moins l'avantage c'est que je suis statique, donc bon pour le coup. Mais donc, est-ce que tu fais? Dis-moi ce que tu fais. Eh ben, j'aimerais puiser le plus d'énergie magique possible pour tant. Quoi? Non, rien. Il me semblait. Enfin, alors, puiser le plus d'énergie magique possible pour tenter de balancer une grosse boule de feu vers ce monsieur. Alors, vers ce monsieur ou vers ce monsieur? Ah, ça va être compliqué si tu le fais là, ici, au corps à corps avec tes amis. C'est ça. Je peux pas. Donc, je te suggère de le faire. Attends. Je suis quand même défoncé, mais je peux pas faire de mal à mes amis. Je vais viser lui là-bas, regarde. Lui là-bas, là. On l'oublie, vas-y. Ce mec là. C'est pas la sphère de magie là qui est au milieu qui t'empêche de casser? Je sais pas, peut-être que ça va l'aspirer, peut-être pas, ça vaut le coup d'essayer. Dans tous les cas, je suis une vraie énergie magique, donc. Vas-y. Écoute. Hein. Vas-y, fais-moi ton sortilège. Je peux tenter le sortilège de la magie! Oh, 43. Ça marche! En fait, dès qu'il s'agit de faire des choses qui sont pas bien, je fais des jets, mais nickel! Tu fais donc l'enfer sur Terre, c'est bien ça? Ah bah oui, c'est le but! Dans focus, donc 3, moins 1, 2, ça te coûte 2. Tu tends tes bras, tes paumes en avant avec un petit sourire d'ivresse. Tes flammes vont vers l'avant et descendent dans le puits. Elles sont aspirées dans le puits, hein! On le savait, mais ça valait le coup d'essayer quand même. Tu t'enlèves 2 points de psy? Je me suis enlevé 2 points de psy, mais est-ce que le tour passé à côté du puits fait gagner 2 points de psy? Ah, ça te fait gagner... Tu avances d'un pas encore ou pas? Ah non, c'est statique quand on caste. Quand même, je peux pas tricher sur les règles. Je t'offre le pas si tu veux. Non, je peux pas, il faut pas. Oh, je le prends. Très bien. Tant que donc, je tombe te laisse pas, déplacer ton token. Attention, attends, non, je non, tombe tu tombes pas, évidemment, mais pas je te donne un point de psy. Alors, enfin, je te donne le puits, évidemment. C'est dommage, je n'ai pas voulu t'influencer. Écoute, alors, un ou deux? Il m'avait dit deux, il m'avait promis. Ah, deux. Là où je me tiens, c'est un. Oh. 2 points de psy. Il me donne 2 points de psy, je négocie. Je suis très urbain. Quel régal. Et c'est parce que tu es proche du puits. Je suis sûr qu'en avançant encore plus, tu pourras en avoir plus. Alors, Shin, qu'est-ce que tu fais? Visiblement, moi j'ai réussi à balancer un projectile sans me faire aspirer, donc c'est bizarre. Les flammes ont réussi, mais pas la glace. Ah, les flammes sont littéralement. Tu sais, elles sont pas le poids. C'est-à-dire, c'est pas un caillou, c'est des flammes, ça n'a pas de poids. Oui, non, mais. Donc ça se fait aspirer, quoi. Voilà. Après, tes projectiles sont pas magiques. C'est de la magie qui les fait créer, mais tu crées des choses physiques, je pense. C'est de la glace, en fait. Bien dit. Bah, comme pour les flammes, finalement. Non? Ou alors c'est la magie. Enfin, peu importe. Non. Alors, on va le dégommer. Écoute, moi je lui fous un headshot dans la tête, complètement. Ok. De quoi, monsieur Chen? Headshot dans la tête. Ah oui, monsieur Chen, évidemment. Non. Ah, on vise le même. Oui. Ouais. Alors, je pense que Théo doit régler son compte à Mister Rapierre. Tu me fais un test, cependant, s'il te plaît, de mental, Chen. Vu que tu génères cette énergie à côté du puits. D'accord. Donc, sans les bonus de armes de tir, tout ça? Non, fais-moi juste, juste un pur jet de mental. D'accord. Ah, t'as pas l'habitude, hein. Ça maîtrise pas le Sharingan, hein. Ça s'est pas assez entraîné. Il faut vraiment reroll, je pense, c'est difficile. Enfin, comptez le nombre de flèches que t'as... Il y a un puits démoniaque, moi j'y peux rien.
À compter le nombre de flèches que t'as plantées depuis le début. 4. Chine, tu génères donc cette flèche de cristal qui se cristallise, qui devient matériel donc, et tu as comme une sorte d'ivresse, de nature élémentaire, te susurre un pouvoir sans nom qui te rappelle que finalement tu es au-dessus des simples mortels et au-dessus de tes camarades probablement. Et tu as comme un sentiment de supériorité et tu penses que en puisant dans ce puits, tu pourrais certainement avoir plus de pouvoir que tu n'as jamais eu jusqu'à maintenant. Te mords pas la lèvre comme ça, c'est presque sexuel. Ça a l'air tu bon. Fais ça, c'est un délicieux. Pas vers l'avant. Deux pas. Tu récupères un point de psy, s'il te plaît. Nom, nom, nom. Et tu fais ton tir, s'il te plaît. Décoche ta flèche, fais un test de arc plus physique. Encore, 65. Il vient pas de tirer déjà ? Non, c'est mental. Non, non, c'était le mental. C'était le casque. 65 plus arme de tir, 85, 90. Fais-moi ton test. 90. Bon, là je suis fonce d'axe en plus, donc il faut que ça passe. 10 oh. Oh. À ce niveau, tu fais ricocher la flèche avant qu'elle touche. Très bien. La flèche traverse donc au-dessus du puits. Tu te sens investi d'une nouvelle motivation. La flèche arrive à destination et au moment où elle arrive au niveau du chevalier, ici, il y a une chaîne qui sort de sous sa cape qui dévie la flèche. Une chaîne manipulée par rien du tout, aucun de ses bras. Les bras sont le long de son corps. Il dévie la flèche qui se casse, qui se brise en plein de morceaux et continue de reculer vers les marches en arrière. Oh putain, j'ai vu assez les chaînes nébulaires. Ah ouais, c'est le rolling defense. Ah, j'ai vu assez de hentai pour savoir comment ça va finir cette histoire, moi. C'est l'inquiétude. Je vous avoue, c'est l'inquiétude. Nouveau tour, Grand Lake. L'homme à la rapière, pardon. Oui. L'homme à la rapière. Ouais. L'homme à la rapière. Monsieur Couteau. L'homme à la rapière. Eh bien, bravo, l'homme à la rapière fonce sur toi, Théo. Il décide de contourner ton attaque. Il a une idée derrière la tête. Il se baisse, tend la jambe, va essayer de t'embrocher par le dessous ou alors il a quelque chose d'autre en tête. Donc, je fais son attaque. Tu es en défensive, en offensive ? En offensive, du coup, je peux pas parer. Ah, t'es ouvert là, comme un cabillaud. C'est ça, comme une mitre. Ah. Oh, t'es mort. Il fait 100. Ah, t'as embroché, là. Il fait 100. Oh, l'enculé. Il n'y a pas que Chine. Chine n'a pas le monopole des 100. Il fait putain de 100. Il glisse sur une peau d'âne. Le méchant d'inspecteur Gadget, quoi. Wow. Ah là, il se la pète. Bob, tu ne traites pas, s'il te plaît, mon méchant comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Il ouvre sa défense à une attaque d'opportunité. Théo, Kronlek, Lek, Théo, qu'est-ce que vous faites alors qu'il a ouvert sa défense ? Là, vous avez moyen de le finir, là. Faites un beau geste. On bourrine. Ouais, bah du coup, moi, je vais essayer d'embrocher l'épée comme ça. Et puis, moi, d'embrocher l'épée ? D'embrocher l'épée. Avec ton épée, d'accord. Parce que planter une rapière, je sais pas comment tuer. Je vous déteste. Ah, mais il y a geste. Allez-y, faites-moi votre test. Ah, ok, bah c'est à toi en premier, Kronlek. Non, on fait tous les deux, enfin ça n'a pas d'importance là. Je pense que c'est une attaque d'opportunité. Une attaque combinée, c'est ça. Tu prends les rayons de toutes les couleurs. Hyper classe. Les rayons de toutes les couleurs, t'es comme ça. Et vous vous foirez, vous embrochez mutuellement. Allez, ouais, moi je lui fais un coup de poing dans le vent, donc du coup ça fait pencher en avant sur ton épée qui l'embroche. Et moi j'essaye de le décapiter. Bon, déjà on va essayer de réussir le jet. Allez-y, faites pas mal. Le décapiter, c'est quand même une manœuvre. 18 et 23. 18 et 23, alors là, Théo, 23 Grunlag, magnifique. Magnifique. Il paye. Tu lui assènes un violent coup au torse. Tu entends un craquement terrible. Et tu vois voler devant toi des éclats de gemmes. Alors qu'il part en arrière, qu'il tombe en arrière vers le puits, il y a à ce moment-là Théo qui assène son épée de haut en bas. Il donne le coup qui vient lui trancher la clavicule qui arrive vers son thorax, qui lui ouvre d'une plaie plus que béante, avec un filet de sang qui vient nimber son armure, qui le rend tellement fier. Et il tombe en arrière. C'était pour Béatrice, enfin, ou quel que soit son nom. Et il tombe en arrière dans un râle terrible.
Il est tombé dans le puits. Hein. Ah merde, le con. Hein. Ça craint ça. J'ai envie de le suivre. C'est impossible. Dis-moi comment c'est en bas, les lumières, les couleurs. Mais là, il est tombé dans le puits. À mon avis, il va revenir en mode. Phase 2 du boss, là, ouais. Quick save. De ça, allez. C'est ça. La vraie question, mode, c'est. En mode robot géant filmé en contre-plongée. Le hamburger géant de il film de Sentai. Il manque quelque chose sur le. Oui, 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 passez. Il manque quelque chose. Oui, passez le général FDP, là. Il est où? Il est parti. Comment ça, il est parti? Il est pas juste la chaîne. Il s'est cassé la gueule des escaliers. Ah, ouais, il y a t'as qu'à dire à l'icos de le rattraper là. Hop. Non, les chaînes l'ont tiré vers les escaliers. Il est monté dans les escaliers. Oh, le bad guy. Il va falloir y aller. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, tant pis. On n'a pas le temps d'attendre qu'il y ait la phase 2 du boss qui pop. Courons. Courons vers le vrai boss. On n'est pas full de psy. Juste avant de partir, on peut pas tenter d'attendre de voir si je tombe dans le. Ah putain. Attends. Est-ce que les deux là, ils sont en train de baigner dans la magie là. Les deux, force bleue et force rouge, sont au bord du puits et sont dans un état d'ivresse. En fait, ils s'en rendent pas spécialement compte. Et bon, y a peut-être un truc qui se différencie de Bob. Peut-être ses yeux uniformément rouges. On est tous les deux torse nu au bord de l'anneau en train de se pincer les tétons. En train de se oindre comme ça. On se douche dans la main. C'est ça. On prend les vraies poses et tout, on a Qu'est-ce sorti les faites, pagnes. Hein je vais aller choper Bob et Shin et je les tire violemment hors du puits en arrière. Il va où Bragg là? Bragg, il continue d'aller vers votre destination, vers le chevalier Vlad. Ouais, bah il va peut-être nous attendre, le coco. Bah ça dépend, c'est un ordre, c'est quoi? Il dit, restez là, allez pas trop loin. Il faut l'arrêter. Oui, derrière nous. Hein, vous avez pas d'armes, vous savez pas vous battre, alors derrière nous. C'est louche. Je vous attends. C'est mieux. J'ai dit stop. Continue de bouger. Tu nous tires ou j'ai le temps de me débattre un peu? Non, mais en même temps, je les attrape par le col. Je te fais pas faire de test. Tu réussis à les tirer. Je les pousse violemment vers l'arrière. Un petit point de psy. Les junkies, là. C'est terminé, la cam. Allez, trouvez un boulot, maintenant. Théo, tu as tiré en arrière Bob et Shin. Oh, non. C'est comme un prof de maths, il nous tire par les oreilles. Par les oreilles, c'est ça. Est-ce qu'on a le droit d'essayer de résister? Avec le score de 32 physique, t'es là. Non. Vous allez me faire tous les deux un test de volonté. Ah, comme un gamin qui se fait emmener chez mamie alors qu'il n'y a pas d'internet. Je ne veux pas y aller. Un test de volonté ou un test de mental, de physique mental. Parce que l'autre nous tire, quoi. Non, c'est mental. Non, fais-moi un test de mental. Mental, c'est mental. On casse la connexion Wi-Fi. Ça, c'est ça. Aïe, 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 oh 8 pour Bob. Oh et 4 réussite critique pour la vache. On a dégrisé. En fait, on s'est réveillé alors que j'étais en train de lécher le téton, puis on s'est rendu compte. Oh putain, merde. Et le premier truc que dit Bob, c'est. Ce n'est pas toi, Théo? C'est fou, j'aurais dit troisième c'est pas toi, Lake. Non, c'est exact. Bien, je suis en dehors de l'histoire, c'est parfait. Ah, putain, c'est parfait. Oh, les mecs qui se réveillent en mode. Ouais, thermos de café, quoi. Oh putain, dessoulé instant. Très bien. Donc, Shin, non seulement tu t'extirpes de cette emprise, mais en plus tu réussis à récupérer un point de psy supplémentaire. Ah, la dernière léchouille, quoi, le. C'est clair, la petite lapée, comme ça. Le dernier rail avant la fin. Très bien. Donc, vous êtes tiré en arrière. Qu'est-ce que vous faites? Donc, du coup, on est là. Fonçons. Ouais. Par là. Allez. Tu ouvres la marche, Théo. Ouais, je cours. Dans l'ordre. Théo, Bob, Shin, Grand Lake, c'est bien ça? Est-ce que j'ai le droit de réfléchir pendant une seule seconde à ce qui vient de se passer, le pourquoi du comment, et essayer de voir si je peux pas faire un jet pour venir avec une explication sensible de ce qui se passerait si on sautait dedans ou. Dans le puits. Ou le fait d'avoir vécu l'expérience n'a rien apporté à part le fait de savoir que bah, c'est enivrant et qu'il y a plein de mana. On était en transe, quoi. Deux secondes, Grand Lake. Recule. Eh bien, ce qui se passe, c'est que le puits déstructurel matérialise toute l'énergie donc, de l'univers, si je peux me permettre, autour du puits. Elle le matérialise, donc c'est l'endroit sensible où tu peux pomper l'énergie. Sauf qu'en même temps, il y a tellement d'énergie concentrée que. Tu perds la ça raison, devient, ouais, forcément. Ça devient insane. Donc si tu veux, t'es. Tu perds non seulement la raison, mais tu peux l'utiliser à ton profit. Le problème, c'est que si tu ne fermes pas les vannes, tu peux vite avoir
vite être complètement fou de ça. Par le truc, ouais. Donc, alors, par rapport à ça, on n'entend pas de bruit ni quoi que ce soit. C'est-à-dire, depuis que le mec a été balancé dedans, il n'y a plus la même activité, quoi. Fais-moi un test de... S'il te plaît. Le test du stress. Je vais faire un critique. Il vient de faire un critique. Il est toujours en critique. Moi, je dis, c'est l'injustice. Ouais, ouais, pas fais-moi un chose. Test de... Mental. De physique. Bah, c'est la même chose. De toute façon, en fait, si tu fais pas un échec critique, ne serait-ce que pour ça. Ouais, voilà, pour la forme. 10. Oh putain, mais le mec. Oh là là, oh, c'est jeu. Jim Fizz, quoi. Donc, tu... Théo, tu te mets donc dans les escaliers, s'il te plaît. Je commence à monter, ouais. Voilà, tu es quasiment monté. Grand Lake, toi, du coup, t'es avancé aussi. Oui, t'es derrière. Jusqu'où? Là-bas. Jusqu'à... Même, tu peux aller jusqu'à... Théo, Bob, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'aimerais rejoindre monsieur machin. Par contre, en faisant le grand tour, parce que ce coup-ci, je suis vraiment passé beaucoup trop près, mais est-ce que j'ai le droit de jeter un dernier regard avec le petit soupir? Ouais, tu peux. Donc, Théo et Kronlek, vous êtes en train de monter les escaliers. Brag et Bob, eux, se rejoignent l'un l'autre au niveau de l'élévation. Toi, Shin, tu t'es arrêté en pleine course en avançant. T'as entendu des craquements au fond du puits. Des craquements, puis quelque chose monter, quelque chose grimper, très rapidement, à un rythme effréné. La dernière chose que tu as vu quelque chose se déplacer avec ce bruit-là, cet écho-là, était probablement une araignée géante.